Regardez-moi ce beau paysage là, hein, ce beau petit champ rempli de salade, de blé, il y a de tout, il y a des vaches, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que les amis, ça va très bien pour vous. Moi, de mon côté, on a eu quand même pas mal de soucis. Cette nuit, on a eu beaucoup d'orages. Ma maison, elle a tenu, heureusement. Donc, c'est pour ça que je suis dans le champ. J'étais en train de voir si tout se passait bien. Ça a l'air d'avoir bien tenu. Ici, pareil. Bon, écoutez, on va rentrer à la maison tranquillou. À faire doucement, quand même. Parce que ça, j'ai pas encore changé de mes pneus neige. Hop, voilà, on va rentrer à la maison. Et puis on va voir. On va faire le tour de la ville quand même. Savoir si tout se passe bien. Hop, on va rentrer. Voilà. Voilà. Bon, moi de mon côté, j'ai encore rien mis de mon côté. Donc on verra bien. Voilà. J'ai pas entré avec la voiture, tu sais. Vous savez quoi? Je vais me mettre comme ça. Tac, tac, voilà, très bien. Et puis je vais faire mon petit check-up dans le jardin. C'est vrai que j'ai même pas pensé à regarder mon jardin en fait. Ouais, tout a l'air d'avoir tenu. Là, à l'intérieur, ça va. Y a pas... Ah, c'est une sacrée tempête, hein. Mama, la tempête de fou. La tempête qu'il y a eu. Ah, bah, y a celui là-bas. Oh! Oh yeah! Comment ça va? Ça va, t'as pas eu de dégâts? Bah moi je regardais, je suis parti dans les champs pour voir s'il y avait pas trop de dégâts, ça va, vu que nous on est un peu en hauteur, ça a dû faire protection, moi de mon côté franchement ça va, j'ai pas eu de soucis. Hein. Bah moi je vais chercher mon parasol. Ah, pourquoi il est parti où toi? J'ai perdu mon parasol. Bah, ah c'est vrai que j'ai tout ressorti, c'est vrai que moi j'ai tout ressorti moi ce matin. Et c'est moi vrai aussi que... j'avais tout ressorti, et mon parasol il est parti sur la route là-bas, où il y a Jardipante, mais vu qu'il y a pas d'accès comme il y a un tunnel là-bas. Je suis obligé de passer par là. Ah bah oui. Et t'as pas de voiture? Bah si, mais je voulais aller voir s'il y avait pas eu d'autres dégâts dans la ville. Oh bah vas-y, on va y aller à pied. J'ai perdu mon toit. Hein? J'ai mon toit qui s'est effondré. Mais non. Bah si, tu viendras voir. Oh mince. J'ai plus de toit. Oh mince. J'ai plus rien. Oh, oh ça va, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de dégâts ailleurs. Bah là en fait avec la maison et puis la haie, vu que le mur comme il est gros et puis à ma maison il y a les armes, ça a dû bien protéger de ce côté. Donc ça va, on a eu de la chance. Moi aussi j'avais un mur avant mais on a fait des trous. Ça c'est ballot ça. Ouais. Fallait pas l'enlever. Je te l'avais dit. Y'a pas d'arbres qui sont tombés aussi. Non franchement les arbres ils ont bien tenu. Bon après ça va, c'est des arbres quand même centenaires donc ça a l'air de bien. Ah bah oui ça c'est des arbres qui y sont depuis que c'était la campagne là. Ah, mais il est là! Il est là ton parasol! Oh putain! Ah, c'est du n'importe quoi! Bon, vas-y! Mais je l'ai vu, j'étais là, je regardais par là et je vois mon parasol! Hop. Alors, du coup, on va refaire le tour là, on peut passer. Ouais, c'est bon, et attends, on peut passer par là au pire. Oui. Aïe, hop. Attention, faut pas tomber. Ouais. Hop, je fais des petits sauts quand même parce que. Hop. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais c'est pas grave. Ouais. Hop, attention en descendant. Hop. Hop on passe tord de la cheville, hein, c'est pas le moment. Ah, attends, c'est quoi toi, t'as dit le toit? C'est effondré quoi? Viens voir. C'est pas le toit de ma petite cuisine là. Ah une petite dépendance un peu sur le côté là. Ah oui, c'est vrai que je vois un peu de lumière quand même. Il fait un peu jour dans la maison. Oh ah oui, ah oui, oh, oh, oui. Ah oui! Ah oui, quand même! Ouais. Houston, il y a eu un souci là. Il y a eu un souci. En plus, on voit les traces d'eau et tout, ça fait des petites traces d'eau. Ouais, c'est vrai que ça a pas brûlé quand même. Hein, mais ça... Ouais, t'as eu de la chance quoi. Enfin, chance. T'as plus de toi, mais. J'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire. Oui, parce que c'est vrai que. Oh. En plus, j'avais sorti tout mon mobilier de jardin. J'avais sorti. Il y a possibilité de monter sur le toit par là ou pas? Non. Ah non, il n'y a pas de possibilité. Oh, par contre, bah, peut-être que tu commences à tondre. Hein. Allez, tu peux pas monter sur le toit. T'as pas un escabeau? Attends, je vais aller chercher. Ouais, parce que faut voir quand même. Hein. Ouais. Et il n'y a pas eu d'autres dégâts de plus, hein. On est d'accord. Hein. Non. T'as de la lumière? Ouais, t'as de la lumière encore. J'ai pas d'escabeau, là. J'ai...
J'ai pas d'escabeau. T'as un escabeau, toi? Je sais même pas si j'ai ça, moi. Non, j'ai pas d'escabeau. Je sais pas du tout. Je vais voir quand même, mais c'est pas... Oh, mais t'as plus de toit. Non, mais... C'est énorme. C'est énorme. Mais tu sais que je suis en train de penser que peut-être même moi, j'ai même pas d'escabeau, je crois. Ouais. Attends, je vais regarder dans mon grenier, peut-être. Ah, bah oui, il y a peut-être un truc. Ah bah oui, tu me disais que t'étais en plus en train de faire des travaux dans ton grenier, donc peut-être que t'as mais un escabeau. Oui, c'est ça, le pire. Oh là là là. Ah non, merde, je me suis trompé de maison. Je suis allé dans le 3. Bravo. Ah bah oui. T'as trouvé? Ah ouais, je vais voir dans mon grenier. Ah oui, j'en ai un dans mon grenier. Mais ah oui, il est où ton grenier? Viens dans ma... Attends, viens dans mon garage, je vais trouver. Ah, j'ai mais par le garage. Ouais. Et t'as l'accès ici, toi? Bah oui. Du grenier? Bah oui, viens, viens. Où? Là. Ah oui. Ah, j'avais refait faire les poutres et tout. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même, pas mal. Hein. La lumière et tout. Ah, t'as un truc là-bas. Il y a quoi de l'autre côté? On dirait qu'il y a du ouais, vide. Ouais, j'ai un autre grenier, mais je vais pas faire aménager. Oui, il doit être plus petit, je pense. Non, puis il est plus grand même, mais... Ah ouais. Attends, je vais descendre l'escabeau. Hop. Ouais, faut voir le okay. Toit quand même, si ça craint pas. Hein. Attends, je vais mettre mon parasol dans le garage. Hop. Ouais, faudrait le mettre par là. Par là, ouais. Là où je suis. Hop. Moi, tu le mets devant voilà. Le banc. Mais attends, on va voir. Ouais, voilà. Hop. Ah oui, ils sont petits, les escabeaux. Sinon, ouais. J'attends. Peut-être essaye de... Hop là. Ouf. Vas-y, tiens. Hop. Ouf. C'est bon. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ça a arraché de la toiture, quand même. Il y a des bulles, là, qui sont pas loin de tomber, même. Mais t'as de la chance que les contours n'ont pas été trop touchés, donc il y a peut-être moyen de récupérer juste, de refaire juste les poutres centrales, quoi. Ouais. Enfin, les poutres qui font la toiture. Quelle idée d'avoir une toiture en bois, toi. Ah oui, toi, t'as une toiture en pierre. Eh oui, c'est pour ça que ça a tenu. Non, moi, j'avais fait faire un joli... Mais tu m'étonnes que ça s'est envolé, t'as vu, regarde. Eh. On a un bel espace, hein, pour le vent. Ouais. Oh, il était là, au centre. Ah, attends, si je regarde ma carte, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah, c'est le vent du sud, en plus. Ouais. Ah bah oui, le soleil ouais, est là. Et en plus, là, ça va, parce que je suis un peu protégée sur ce côté avec les arbres. Mais là, ouais. Ah, t'as pas eu de chance, hein. Là, t'as pas eu de chance. Il est où, l'escabeau? Je sais pas si j'ai une bâche pour mettre. Ouais, va peut-être falloir prévoir une bâche. Je sais pas s'il y en a... Ah bah non, en plus, il faut aller dans l'autre ville pour aller au truc de jardin plante, parce que celui-là, il est pas encore fini. Non. Ah là 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 là, mais quelle péripétie! Oui, parce que moi avant il n'y avait pas de maison là, il y avait juste un grand terrain vague. Bah oui. Quand j'ai fait construire, on m'avait dit que c'était exposé au vent. Ouais, mais encore, ça aurait moins été exposé au vent si t'aurais eu un arbre de ce côté. Ouais, j'en ai. Ou s'il y aurait eu un arbre de l'autre côté, mais EDF, ils ont voulu récupérer le terrain. Ils ont voulu récupérer le terrain. Parce que de base. Au lieu que ça soit les éoliennes, le parc éolien, le parc de d'EDF. Ah, il y avait des arbres là. Ça aurait dû être. Non, il n'y avait rien du tout, mais ça aurait dû être des arbres. Ah ouais. Mais vu que c'est un bon passage au vent, eh ben, ils ont dit quoi? Ils ont dit on récupère. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ils ont signé un très bon contrat, alors à un moment donné. Ça compense. Ça compense, ouais. Ah, ouais. Il va falloir que je trouve un truc. Ouais, mais bah bon, oui. Ça va, j'ai pas d'autres toits qui sont envolés. T'as fait le tour au moins ou pas? Non. Bah, celui-là, après, comme j'ai pris la charpente, je pense pas que. En plus, on n'y voit rien, là. Faut passer de chez moi, là. Ah, parce que là, c'est. Là, c'est un peu complicado. C'est un peu complicado, ouais. Allez. Hop. Voilà, alors tu mets. En tout cas, ça souffle plus, là, maintenant. Ah, avec ouais, l'orage qu'il y a eu. Maman. Là, ça. Même, pareil, tu tombes la nuit son corps, hein. C'est pour ça qu'il va falloir que je mette une bâche. Ouais, là, on a un petit accalmie, là, mais. Tu vois, moi, ouais. Un toit en pierre, tu vois, moi, ça bouge pas, moi. Ah bah attends, on peut passer par là. Non, on aurait pu le. Non, là, bah, ouais, ce t'as toit. T'as replanté il... encore ici? Non, j'ai pas replanté, mais j'attends la saison encore. Pour... Je veux remettre. Ouais. Je veux mettre. Je sais même plus ce que je veux mettre. Je crois que c'est de la salade. Ça aurait pu s'envoler, ça, toi. Ouais, mais tu vois, il y a ton toit qui protège quand même, donc c'est pas mal. Hop. Non, ça va, j'ai pas l'impression que ce soit. Ouais, bah là on voit pas ça trop avec les arbres, faudrait qu'on aille voir plus près. Non mais plus près on voit pas. Si on y voit là.
Je vois bien ton poil, hein. Non, ça a pas l'air d'avoir trop bougé. Hein. Non. Là, j'ai tout ressorti. Ouais, t'as même sorti la petite piscine. Ouais, j'ai sorti la petite piscine, je me suis dit au cas où. Ouais, pédiluve. Ouais, bon, mais il va falloir que je mette une bâche. Hein. Voilà. C'est pas foutu. Non, mais moi, de mon côté, ça a pas l'air de bouger, donc c'est bon. Tiens, si tu veux de la vanille. J'ai de la gousse de vanille. Non, merci, c'est bon. J'en ai acheté à Écomarché. Ah! Ouais, faut que je fasse des stocks. Là, j'ai encore assez de stocks de blé, tu vois. J'ai encore assez de stocks de laitue. Oh, des graines. Oui. Des graines de blé, ça va. Et puis, bon, après, de l'engrais, ça va. J'en ai encore pas mal. Ouais. Oui, mais toi, t'as un mur parce qu'avant, t'avais l'ancienne voie ferrée aussi. Qui passait derrière chez toi. Oui, donc c'est pour ça que du coup, le mur, je l'ai gardé. De toute façon, j'avais pas trop le choix parce que dans le plan cadastral, j'ai pas le choix. Bref, bon bah. Bah ouais. Du coup, va falloir qu'on aille se choper une bâche, hein, quelque part. Ouais. Hein. Ouais. Bon, bah, ce qu'on va faire, nous les amis, c'est vrai que la bâche était pas trop prévue. Va falloir qu'on coupe le rec, du coup, parce que on va aller avec Sully dans l'autre ville pour récupérer des bâches. Voilà. Bâche. Parce que je pense que même en ville, ça craint. Ouais, c'est pas grand-chose. Dans l'éco-quartier, je sais pas, peut-être. Voir. On ira voir. Bon, ben en tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu. Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas du tout. Je sais pas, mais je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est le vent, ça. Ouais, c'est le vent, il a tourné dans la tête. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et maintenant, je commence à parler dessus. Allez, les amis. Allez. Ciao, ciao.